Et donc, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match d'International Champions Cup. Et avant de commencer et d'aller dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser infiniment pour le manque de professionnalisme, hein, car j'avais oublié que c'était pas en Amérique que la tournée de pré-saison, mais c'était bel et bien. En Asie, voilà. Donc, veuillez m'excuser. Hein. Depuis le début, j'arrête pas de faire des matchs en Amérique, mais non, pas du tout. C'est donc du coup ici au Stade National de Singapour, donc en Asie. Singapour, qui je vous rappelle, est la capitale du Japon. Non, la capitale de la Chine. Ouh là là, oh là là. Voilà, donc en quelques instants, on va voir le coup d'envoi de ce match. Très très attendu, hein, pour les deux équipes. Le joueur à suivre sera Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui sera bien évidemment l'exemple à suivre, hein, dans ce match. Voilà la compo de Manchester United. De Ole Gunnar Solskjær, on aura donc De Gea, Wan-Bissaka, on aura Rojo, Jones, Jackson, on aura Pereira, on aura Bowie, on aura Greenwood, on aura Pereira, McTominay, Matic et Chong. Voilà pour l'équipe de Manchester United. Et oui, je le savais, ça allait tomber. Je tiens totalement. Je suis terriblement désolé, franchement. Voilà, j'espère que c'est bien cadré. J'essaye de faire en sorte que ça soit bien cadré. Je suis pire qu'autre chose. Donc voici la composition de l'Inter avec Samir Handanovic, on aura Cédric, on aura Ranocchia, Versaico, Dalbert, Vecino, Valero, Baldé, Merola, Barella et on aura Lautaro Martinez, le poisson pilote de cette équipe de l'International. International et d'Inter Milan. Voilà. Et donc, attendez 2 minutes. Voilà. J'essaie de faire, ne pas faire tomber encore une fois la caméra. Et donc voilà, c'est parti. Ici, au Stade National de Singapour. Et c'est donc ballon récupéré à nouveau pour l'équipe de Manchester United avec Chong. Ça pour Merola. Ballon récupéré pour l'Inter avec Barella. Bien fait sur Barella. Attention. Le ballon pour l'Inter. Ballon bien défendu par Manchester. C'est pour Merola. Oh non, ballon perdu. Ballon plutôt récupéré pour l'équipe de Manchester United. Oh, magnifique talonnade. Ballon récupéré par l'Inter. C'est pas fini. C'était très certainement un but bien défendu par l'équipe des Red Devils. Pour l'instant, on montre du professionnalisme avec Chong. Ah non, ballon perdu. Pereira, McTominay. Et c'est pour Daniel et Derea, le gardien espagnol. Très très bon gardien d'ailleurs, hein.
Daniel De Guerra. Magnifique sur Borja Valero. C'est pour Barella. Oh, le tir! Oh là là là, on l'a vu dedans celui-là. Hein. Il était hors jeu de toute façon, Lautaro Martinez. Mais quand même, magnifique action. Voilà, oh bien fait, bien joué par l'équipe de l'International. C'est pour Derrea. L'équipe milanaise qui pour l'instant... pour une fois, ils ont perdu le ballon. Mais qui domine très très bien, même si... les Red Devils reviennent hein, quand même beaucoup rapidement. Greenwood par exemple. On les connaît, hein, c'est un joueur qui a une capacité incroyable côté sur l'aile. Sur l'aile c'est un monstre, hein, il court l'équivalent de Kylian Mbappé. Mais bon, Kylian Mbappé lui c'est une fusée, lui on peut rien faire. Lui il a été flashé à 1300 km/h sur l'autoroute. Hein, c'est rien à dire. C'est bien fait, c'est pour Borja Valero. Il n'y a personne qui vient l'aider. Si, derrière, mais c'est derrière avec Cédric. Le tir était malheureusement mauvais. Forcément, il y a l'équipe de l'Inter qui joue bien, mais malheureusement, il ne cède pas beaucoup. Hein. C'est comme la plupart des équipes. C'est pour donc Chong. Oh non, ballon perdu. Mauvais ça de Barella. Mauvais ballon donné. Surtout ballon perdu, hein. C'est même pas donné. C'est totalement perdu, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Attention au ballon, bel arrêt du gardien Samir Handanovic, capitaine d'équipe de l'équipe de l'Inter. C'est pour du coup Samir Handanovic. Les interistes qui pour l'instant... ont une petite facilité, on va dire. On va pas dire qu'ils ont hyper facile parce que pour l'instant, le gardien Samir Handanovic reçoit quand même beaucoup de ballons, mais voilà. Il peut y avoir des surprises aussi. Hein. C'est comme tout le long de cette International Champions Cup. Le tacle non sifflé par monsieur l'arbitre, ça peut être décisif. Non, c'est bien défendu là par Manchester United. United, pardon. C'est pour du coup Samir Handanovic. Bah, le tacle jugé non dangereux pour le pour monsieur l'arbitre. C'est pour Keita Baldé Diao. Ouh là 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 là, on a failli le voir ce but. Remise de touche. D'Albert. Donc oui, vous allez voir ce match samedi. Enfin, vous avez... moi je le mets aujourd'hui parce que samedi je vais faire d'autres matchs. Attention le tir et le but. Et le but, et oui, Lautaro Martinez, le poisson pilote de l'équipe interiste milanaise. Eh oui, les Neroblo qui marquent du coup dans ce match le premier but ici au Stade National de Singapour. Et donc voilà, Lautaro Martinez, 25e minute, le premier but de ce match. Cette fois-ci contrôlé par l'Inter. Borja Valero, ballon perdu. C'est pour Chong. Chong qui a une blessure. Attention, c'est pas fini. On ne sait pas si c'est grave ou pas, mais apparemment, d'après les soigneurs, c'est pas très très grave. Bien défendu ça. Avec Keita Baldé. Lautaro Martinez sur Borja Valero. Martinez. Oh non, ballon perdu. Pour l'équipe interiste, Borja Valero.
Oh, magnifique ça, Borja Valero qui fait un magnifique spectacle. Alors, ballon perdu là de Keita Baldé. C'est pour Greenwood. Avec Wan-Bissaka. Ouais, non, le tacle de l'Inter non sanctionné d'un carton jaune. C'est donc du coup pour Wan-Bissaka. Donc, mes pronostics, ils étaient bons. Ils étaient bons, les pronostics d'hier. Donc, je vous rappelle, c'était quoi le match? C'était FC Bayern contre l'équipe d'Arsenal. Enfin, Arsenal, FC Bayern. Et effectivement, mes pronostics étaient bons. 2-1, pardon, pour l'équipe d'Arsenal. Et le score juste en plus. Écoutez, ça mériterait un j'aime. Rien que pour cette vidéo, allez la voir. Je tiens tout particulièrement à remercier les deux équipes, les 22 acteurs de ce match, tout simplement pour ce délicieux spectacle. C'est pour Mathias Vecino. Le tir, oh là là, le tir mal défendu. Enfin, mal tiré, pardon. Daniel De Guerra. Ce sera pour Phil Jones. Brotwing, Charles Jackson, pardon. Ah non, assez compliqué, je vous l'avoue. Barella. Barella, c'est pour Keita Baldé. Keita Baldé. Oh, le but! Oh, il me semble que c'est encore Lautaro Martinez qui saute encore plus haut que tout le monde. Juste devant le gardien. Magnifique. Le saut de l'ange. Exceptionnel. Magnifique la surcrita Baldé. Et magnifique passe. Oh là là, la tête. Et le ballon qui rentre. Regardez-moi ça, on va la revoir. Lautaro Martinez. En plus, sur le tibia, enfin sur la rotule de Daniel De Guerra, et le ballon qui rentre, c'est donc du coup Lautaro Martinez qui marque le deuxième but, doublé pour lui pour l'instant dans ce match. Mais rien n'est fait, hein, rien n'est fait. Deux buts seulement pour l'équipe de l'Inter, c'est seulement deux buts d'avance. N'oubliez pas que dans ce genre de match, pour l'instant, on a eu beaucoup de surprises. Et je peux vous dire que on n'en a pas fini d'avoir des surprises. Et quoi de mieux aujourd'hui avec l'équipe interiste? C'est pour Mathias Vecino. Merola. Brotwig Jackson avec Matic. Brotwig Jackson, Matic. C'est pour Dalbert. Merola. Bien fait ça sur Barella. L'ancien joueur de Cagliari. McTominay, peut-être carton jaune. Carton jaune, oui. On va le revoir, le tacle. Scott McTominay, le jeune écossais. On va le revoir. Ah bah, on n'arrive pas à le revoir, décidément. Nos caméras sont... à court de batterie. C'est pour du coup Pereira. Ouais non, ballon perdu, c'est pour... Oh là, le tac, attention, le tir. Et le but. Et le but de l'équipe mancunienne. Juste avant la fin de la première période. 3 minutes de temps additionnel d'ailleurs. Magnifique, on va la revoir. L'action là. En pleine lucarne, rien à dire.
gardien ne peut rien faire, hein. Handanovic ne peut absolument rien faire dans cette situation. Et les supporters de Manchester United qui sont en train de chanter ici. Barella, c'est pas fini, c'est pour Merola. Ils vont tenter de creuser à nous une nouvelle fois l'écart. Et non, c'est toujours pour Baoui et c'est la fin de la première période. Pour l'instant, une première période assez mouvementée. Un but pour l'équipe mancunienne et deux pour l'équipe interiste. Lautaro Martinez, 4 tentatives, 2 buts. Ah ouais, le jeune joueur argentin, compagnon bien évidemment de Paulo Dybala et de Mauro Icardi. Dybala qui est bien évidemment à la Juve. Hein. Mais forcément, Icardi est ici avec l'Inter, sur le banc d'ailleurs. Et c'est donc du coup la suite de ce match, ici au Stade National de Singapour, théâtre de nombreux matchs, notamment la finale de la Coupe, la Copa, la Coupe d'Asie. Ou attention, avec Pereira. Greenwood, Pereira, Greenwood, ou attention, ballon touché par la main, peut-être, non, ou attention, le tir, bien défendu pour Samir Handanovic. Arsenal, qui je vous rappelle, avait gagné contre le SC Bayern 2-1. Donc maintenant l'équipe d'Arsenal qui est en haut du classement. Deuxième, on a la Fiorentine. Et maintenant on va voir si on aura soit l'Inter, soit Manchester United. United, pardon. Attaque de Borja Valero. Eh oui, on va revenir à la faute juste avant la sortie. C'est du coup pour Pereira, l'équipe de Manchester. Ah non, ballon perdu. Ou bien fait, ça, magnifique. Avec Brotou Jackson. Et ballon récupéré pour l'équipe interiste. C'est pour du coup Martinez, Lautaro Martinez. C'est pour du coup Daniel De Guerra, Phil Jones. Bah oui. Chong. Ouais, le tacle sur Chong. L'équipe interiste de l'Inter de Milan. Changement, Anthony Martial, Tahit, Fahit Chong. Et changement aussi pour l'Inter avec Ivan Perisic qui va rentrer à la place de David Merola. C'est pour Samir Handanovic. Dommage, ils avaient un moyen simple de revenir au score, l'équipe de Manchester. C'est ballon perdu. Attention, l'attaque ici avec Anthony Martial. L'Anthony Martial et le but au second poteau pour Manchester United. Voilà, belle image ici, hein. Bowie qui vient voir l'entraîneur Ola Gunnarsson Soccer.
Magnifique frappe d'Anthony Martial. Et puis il y a Bowie qui vient récupérer en second poteau. En deuxième, attention. C'est du coup 2-2 dans ce match. Un match un peu plus difficile maintenant pour les deux équipes. On va voir qui c'est qui va prendre l'avantage. Moi, je tire mon chapeau pour Manchester. Vous allez voir, ils vont récupérer le score. Ça va être incroyable, la remontada. Moi, je pense qu'il va y avoir une grosse, grosse remontada pour Manchester. Et tout de suite, ça peut arriver. Anthony Martial, le tir de Manchester. Pour l'instant, l'équipe de l'Inter qui n'a plus du tout... de solution. Regardez-moi ça, ballon perdu. Ça arrive beaucoup pour l'instant. Ballon récupéré pour l'Inter. Borja Valero. Le truc, c'est de ne pas perdre le ballon désormais. Borja Valero avec Keita Baldé sur Ivan Perisic. Ouais, non, Ivan Perisic qui donne le ballon à l'adversaire. Ouais, c'est du fair play, hein. Écoutez, si on pourrait voir ça à tous les matchs, des joueurs qui donnent le ballon à l'adversaire, franchement, ça serait magnifique. Ça serait des gestes très très beaux. Keita Baldé, c'est pour Ivan Perisic. Magnifique ça. C'est pour Barella. Martinez, le tir sur Daniel De Guerra. Avec Samir Handanovic. Ouh, Samir Handanovic qui... ouais, qui donne le ballon trop loin de la surface. Changement, Romelu Lukaku, Joshua Bowie. Ça va être très certainement un changement très très décisif pour l'équipe de Manchester. Et changement, Matteo Politano et Keita Baldé. On va voir si ça va être décisif pour eux aussi, pour l'Inter. Phil Jones. Avec le tir, oh là là, on a cru que c'était dans le goal. C'est pour du coup Samir Handanovic avec Versailles-Co. Versailles-Co, c'est pour Dalbert. Ah, magnifique, ça c'est pour Ivan Perisic. Ouh là là, attention. Bien défendu ça par l'équipe mancunienne. Ouh, attention. Les tirs qui sont plus précis pour l'équipe de l'Inter. C'est du coup un corner. Une nouvelle fois pour l'international. Ouh là 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 là. Un corner peut-être décisif pour Borja Valero. Bien défendu là par Manchester. Attention, belle remontée de balle. Magnifique ça, attention, c'est pas fini. C'est pour Ivan Perisic. Perisic. Oh non, ballon perdu. Bien défendu là par l'équipe de Manchester. Oula, le ballon une nouvelle fois offert par l'adversaire pour Manchester. C'est pas fini, c'est pour Matteo Politano. Politano qui est tout seul là, il a pas beaucoup d'aide. Ah si, ça va, il a eu de l'aide, c'est pas fini. Borja Valero, le tir et l'arrêt du gardien magnifique de De Guerra. Remise de touche pour l'Inter. C'est pas fini, c'est pour Politano. Jesse Lingard. À l'Inter. Écoutez-moi ça, cette ambiance. Enfin, je sais pas si vous l'entendez correctement, mais une ambiance magnifique. C'est pour Bortuk Jackson.
avec Cédric. Politan, le tacle. Ouh, c'est même pas un tacle, là, ça c'est carrément une balayette. Oh, attention, c'est pas fini, c'est pour Borja Valero. Anthony Martial. Barella. Magnifique, oh, magnifique ballon pour Matteo Politano qui est tout seul. Ouh, bien défendu, ça part à Manchester. C'est pas fini, Borja Valero. Ah ouais, l'équipe de Manchester qui a une grosse, grosse qualité. C'est la défense, hein, forcément. C'est pas fini, c'est pour Greenwood avec Matic. Donc c'est pas fini. C'est pour Samir Handanovic. Ranocchia. Ballon loin, loin devant. C'est pour Matteo Politano. C'est quand même pour l'un des joueurs de l'Inter. Ballon perdu. Avec Politano toujours là. Martinez, Lautaro Martinez. Ah, ballon perdu. Politano et le but. Le but, Matteo Politano. 3 minutes de temps additionnel avant la fin de ce match. Et oui, on l'a vu, l'équipe de l'Inter qui menait beaucoup pour l'instant avec de nombreux tirs. Et c'est finalement Politano. Je vous l'ai dit que ce changement allait être décisif. Et c'est pas fini. Peut-être que Romelu Lukaku pourrait nous mettre un petit dernier but. Si c'est possible. Pour rendre le match encore plus incroyable. C'est un match extraordinaire quand même. Entre ces deux équipes. Pour l'instant, l'équipe de l'Inter qui mène. C'est un match plutôt incroyable, c'est un match indescriptible. Pour l'instant, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu pour l'International Champions Cup. Attention, c'est à nouveau pour Matteo Politano. Martinez, le tir sur De Gea. Et la fin de ce match. Match tout simplement incroyable. Hein. Les deux équipes qui ont une lucidité exceptionnelle. Deux gardiens remarquables. Admirable aussi. On a De Gea d'un côté et d'un autre côté on a Samir Handanovic, un des plus grands gardiens du moment. Lautaro Martinez, 6 tentatives, 2 buts. Et puis en fond on a Matteo Politano qui marque un dernier but, un but décisif, hein, ça c'est clair et net. Regardez-moi ça, cette sélection de buts, Greenwood et puis on a Bohu. Magnifique, magnifique. Rien à dire. Match tout simplement indescriptible. Hein. C'est un match indescriptible. Une ambiance exceptionnelle. En plus de ça. Et voilà. Merci d'avoir regardé ce match. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. L'équipe de l'Inter qui prend donc les 3 points. Et Manchester qui se retrouve du coup dernier du classement avec moins 1 en points. D'ablution donc d'avance et donc on se retrouve pour un prochain match. Salut à tous.